J'ai chaud la jambe vivant. Oh, j'ai chaud la jambe. Et? J'ai chaud la jambe. Et? Eh, adjob, adjob. Pour ma personne, aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi. Ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et puisqu'on parle de business ma personne, dans cette vidéo, je m'en vais te permettre de gagner un petit cadeau qui pourra te donner les clés dont tu as besoin pour mettre en place un business qui marche. Mais avant de te dire comment tu pourras gagner ce cadeau, permets-moi de te raconter la petite anecdote qui se cache en fait derrière le cadeau que je te permets de gagner aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques jours en arrière sur ma page Facebook, j'ai fait une publication qui disait la chose suivante. Dis-nous en commentaire quel est le livre que tu as lu et qui t'a le plus inspiré. Suite à cela, cette publication a reçu plus de 96 commentaires. Vraiment, je vous dis merci pour votre réactivité parce que sans vous, tout ce que je fais ici n'aurait pas de sens. Donc vraiment, merci. Et en lisant les 96 commentaires, je me suis rendu compte que il y avait un peu plus de 100 auteurs et livres confondus qui étaient cités. Et en prêtant un peu plus attention, je me suis rendu compte que parmi ces 100 auteurs et livres confondus qui avaient été cités, il y avait à peine 3 à 4 auteurs africains et afro-descendants qui étaient cités. Donc je me suis posé deux questions. Première question, est-ce à dire que les Africains n'écrivent pas du tout? Deuxième question, les Africains écrivent, mais peut-être que leurs livres ne sont pas si connus que ça. Avec la petite expérience que j'ai, j'en suis arrivé à la conclusion sur laquelle les Africains écrivent des livres qui sont excellents. Malheureusement, ces livres-là ne sont très souvent pas assez connus. Et parfois, quand ils sont connus, ils sont parfois difficiles d'accès. Parfois, et tu précises bien. C'est bien pour des livres du Napoléon Hill, du Robert Kiyosaki, du Dale Carnegie, c'est bien. Parce que ce qu'ils disent dans leurs livres sont très pertinents. Mais très souvent, c'est assez éloigné des réalités que nous on vit en Afrique. Voilà pourquoi c'est plus pertinent de lire du Claudel Noubissi, de lire du Zaha Oyetunde, de lire du Cédric Komba, parce que eux sont des auteurs africains et maîtrisent mieux la réalité du terrain. Et je vous avoue que ces livres sont juste magiques. Donc face à ça, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais permettre à l'un d'entre vous de gagner un de ces livres. Alors, le premier livre que tu peux gagner en participant au petit jeu concours, c'est le livre du docteur Claudel Noubissi qui s'intitule « Jeune entrepreneur africain » qui franchement, moi, m'a bluffé et qui m'accompagne au quotidien. Parce que pour moi, ce n'est même pas un livre. Parce que même si le business ne t'intéresse pas, tu devrais le lire. Ce n'est pas un livre, c'est un guide pour tout Africain qui sait lire et écrire. Le deuxième livre que je permets à une autre personne de gagner, c'est le livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison, 5 ans de travaux forcés, qui lui est un livre aussi business, qui je précise m'a d'ailleurs permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 2. Donc, le jeu concours se passe de la manière suivante. Si tu veux gagner ce livre, premièrement, partage cette vidéo au maximum. Deuxièmement, juste en haut de la vidéo, pour ceux qui sont sur Facebook, ou juste en bas en description pour ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, il y a un lien. Tu cliques sur ce lien-là. Ce lien-là va te conduire à l'application
Colwaze. C'est quoi Colwaze? Colwaze, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi surtout la banque de livres entre particuliers. Tu crées ton compte. Une fois que tu auras créé ton compte, tu fais une capture d'écran et tu me l'envoies directement sur WhatsApp. Pour avoir accès à mon WhatsApp, il y a un deuxième lien qui est juste en dessous du premier. Tu as juste à cliquer dessus. Ça va te conduire directement dans un groupe WhatsApp que j'ai créé et tu laisses dans ce groupe la capture d'écran de ton compte Colwaze ainsi que ton nom complet et ton pays d'origine. Ou du moins, le pays dans lequel tu résides, quoi. Et comme je suis conscient du fait que très souvent, lorsqu'on se lance en business, on se sent seul lorsqu'on se lance en business. Et je sais à quel point c'est important de se sentir soutenu quand on se lance en business parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Eh bien, je te permets à toi de permettre à l'un de tes amis ou l'une de tes connaissances qui a aussi une vision business comme toi de gagner ce livre. Comment? Tu as une seule chose à faire. Une fois que tu auras partagé cette vidéo, il te suffira juste d'identifier la personne à qui tu souhaites faire gagner ce livre en commentaire. Et quand tu m'envoies la capture d'écran, tu m'envoieras aussi son nom de manière logique ainsi que le pays dans lequel il réside. C'est aussi simple que ça. Les heureux élus seront tirés au sort dans la prochaine vidéo que je ferai. Et ainsi, j'entrerai en contact avec eux pour leur faire parvenir le livre. Ma personne, le jeu concours dure 48 heures. Et si au bout des 48 heures, cette vidéo a plus de 400 likes, dans deux semaines, je referai un autre jeu concours où je proposerai encore deux livres que tu pourras éventuellement remporter. Donc voilà ma personne, le petit cadeau que j'avais pour toi ce week-end. N'hésite pas, participe au jeu, ça ne te coûte rien du tout. Au contraire, c'est tout bénéf pour toi. Sur ce, ma personne, je te donne rendez-vous à demain dimanche 21h parce que je serai en direct avec Cédric Comba, l'auteur du livre qui s'intitule « Comment devenir un accomplisseur » et il va nous entretenir sur le thème « Comment contrôler son esprit ». Sur ce, ma personne, je donne rendez-vous à dimanche. Cherchons-la, dis donc, cherchons-la.